Ne croyez pas, nous, on est là, on vous voit. Même regardez, même par l'écran, on regarde. Il faut arrêter Amazon. Tu es jalouse. Vous êtes jalouse de l'héliport. L'Olympia sera plein. L'Olympia là sera plein, vous allez voir. Je dis que l'Olympia sera plein. Ne me filme pas. Je peux te faire interpeller tout de suite. Ne me filme pas. Ne ris pas avec moi. Je suis maintenant avec le ministre de la Justice. Donc je te dis que ce te soit, que ça te soit la dernière fois. Comment une fille peut passer en Olympia, mon frère? C'est là où vous levez pour faire la sorcellerie. Et personne ne réagit. Personne ne veut te répondre. Tu vois donc que le monde est plein d'hypocrites. Vous avez dit que Gilles Remingana, c'est un homme vrai. Gilles Remingana a quoi dire sur les artistes du Cameroun? Il n'a rien à dire. Ce n'est pas lui qui décide que qui est qui. Non, c'est le public qui décide. Le jury, écoute-moi, le jury des artistes, c'est le grand public. Tu sors ta chanson et le public décide si tu es numéro 1 ou pas. Ce n'est pas qu'un journaliste va venir te dire que c'est toi le meilleur. Ce n'est pas lui qui décide. C'est le grand public. Voilà les jurys. C'est pour ça que j'ai dit que allez tout dire que j'ai la licence, j'ai le bac. Chante, le public juge. Chante. Même si tu as le doctorat. Ton doctorat, c'est quand tu vas bien chanter. Et là maintenant, on va valider si c'est bon ou pas. Et c'est pour ça qu'on juge le maçon au pied du mur. On juge le maçon au pied du mur. Ça ne sert à rien de bavarder. Il faut d'abord chanter, on écoute. C'est quand tu chantes qu'on sait si tu as une bonne moralité. Si tu es allé à l'école, si tu es intelligent. Parce que si tu n'es pas allé à l'école, l'école ce n'est pas d'aller jusqu'à l'université. Non. Toi tu peux t'arrêter au collège, tu dépasses quelqu'un qui est allé à l'université. Tu peux le faire l'école, tu t'arrêtes au collège. Tu dépasses celui-là qui est allé à l'université. Fréquenter. Ils sont pleins là dehors, les idiots. Ils sont pleins. Quelqu'un peut dire que monsieur, est-ce qu'il était même vraiment à l'université comme il le dit là? Hein? Tu parles de qui? Lady Pons. Mais toi, tu la regardes encore bien. Tu ne l'as pas bien regardé. Lady Pons ne peut rien me donner. Ce n'est pas mon ami. En tout cas, vous connaissez même. Vous connaissez ce qui s'est passé entre nous. Parce qu'elle ne peut jamais réparer ce qu'elle a dit. Hein? Elle ne peut jamais réparer. Mais ça n'empêche que quand je vois une injustice, je n'aime pas les injustices. Je peux donner ma tête en coupe. Je peux donner ma tête en coupe. Je n'aime pas les injustices. Arrêtez-moi ça. Et personne ne répond. Versez-moi la farine sur la fille là. Hein? Voilà les gens même que vous devez chasser de la France. Vous devez la chasser. Qu'on a déjà investi l'argent sur l'Olympia. La fille se paie pas. Vous voulez démoraliser cette fille. Vous voulez la casser moralement. Non, les réponses soient fortes. Je n'ai jamais fait l'Olympia. Mais je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux de voir que une fille qui a commencé hier, tu peux même faire le zénith bientôt, tu fais. Je crois qu'elle était au zénith. Hein? Oui, elle était là au zénith. Ouais. Non, elle était au zénith. C'est maintenant. Non, ah non, c'était pas au zénith, c'est au Triano. Le Triano, c'est au Triano. Le zénith. Attendez, dites-moi, elle était au zénith. Elle était où avant, au zénith, je crois. Hein? Mais dis donc, regarde-moi une femme qui lave les assiettes en France, qu'on appelle Amazon, qui vient parler de Lady Pons. Tu as regardé ta morphologie? Tu as regardé ta morphologie, maman? Tu dois te faire opérer partout, même les ongles, même tout, même les doigts. Tout, tu dois te faire opérer tout ton corps. Hein? Parce que tu es une poubelle, tu ne peux pas venir parler de Lady Pons. Excuse-moi, on m'a demandé de ne pas insulter les gens sur Facebook. Mais là, vous êtes habitué à aller très loin. Pourquoi Janté ne vaut pas les dépenses? Pourquoi Janté, c'est ma personne? Mais il n'y a pas mat. Elle gagne sa vie bien parce qu'elle est française, elle voyage où elle veut. C'est pourquoi Janté, moi, on n'a même pas de problème. Mais je te réponds, je suis obligé d'appeler son nom. Pour que ce soit clair, il n'y a pas mat entre les deux. Il n'y a pas mat. Hein? Les